Eh hey, salut YouTube, ça fait très longtemps qu'on n'a pas joué à R6 avec Avarpal, mais ça y est, on est de retour sur le jeu et normalement on le finit aujourd'hui. Enfin j'espère. Bon. Je dis ça à chaque session de Metroid Prime 2, je dis c'est bon ça, cette fois-ci je le finis. Et à chaque fois je le finis pas. Ah, ma, ma dernière session j'ai passé 1h30 sur le dernier boss, je l'ai pas buté quoi. Oh putain c'est... Et encore ça serait plaisant parce que moi par exemple quand je passe 1h30 sur un boss de Dark Souls 3 à l'époque là où j'ai fait Dark Souls 3, oui. Bah franchement même si j'en ressors un peu éprouvé tu vois, bah je prends plaisir et j'y retourne avec plaisir, mais alors quand c'est un truc qui est lié en plus à des bugs et à un gameplay qui est pas forcément fifou quoi, j'avoue que ça peut démotiver un peu quoi. Ouais sur, bah sur Dark Souls ça se comprend parce que du coup t'as l'apprentissage des patterns à faire en fait, donc voilà ouais. C'est à chaque fois tu vas de plus en plus loin en fait dans le truc. Mais là ouais non, c'est juste au petit bonheur la chance en fait dans Metroid Prime 2 donc Ouais c'est pas ouf. Bon alors je suis plus trop résumé des épisodes précédents, Ada a découvert qu'elle avait une clone. Ah oui d'accord, c'est à ce moment là. Ah oui. Elle va nous tirer. Ah non elle tire sur les autres. Est-ce qu'il y a la Ada gentille et la Ada méchante? Ah ouais voilà donc ça... Putain, alors en fait pour vous ceux qui étaient pas là, là comment Léon et comment et Elena ou je sais plus quoi là, ça c'est l'introduction du jeu hein. C'est vraiment le tout début du jeu voilà donc la boucle est bouclée hein. C'est toi qui tire là? Oui c'est moi. D'accord. Et toi tu sur ton manche à balai là ça va, ça a l'air un peu laborieux non? Ah. Ça remet moi devant. Bon alors par contre l'histoire a été réécrite parce que dans le jeu de base Léon il reste pas hein. C'est ça, ils s'en vont tous les deux. Ah, ah par contre faut que je les aide un peu là. Voilà un petit peu de nettoyage. Genre Elena normalement elle est censée être KO après l'explosion. Enfin voilà on est plus à une... On est plus à ça près. On hein. Est plus à une incohérence près, clairement. Ah non, non, non. Là, elle est debout. Tu vois, dans l'intro, elle est KO. Là, elle est en mode je fais ma vie, ouais. Tranquille. Et puis dans les vidéos, t'es plus là, tu disparais, comme d'habitude. Hein. Ah, t'es ouais. Réapparu. Oui, c'est pas grave. Ah, t'aimes pas Dark Souls, patatarte. Bah, moi, j'aime. Le 1, finalement. Même le 2 j'ai jamais fait. Moi c'est vraiment Dark Souls 3 en fait quoi que j'adore quoi. Éliminer tous les ennemis. Ah d'accord. Je peux tirer là-dessus aussi ouais. Oui. C'est surtout sur ça qu'il faut que je tire. Au revoir. Wouah. Mais ouais Dark Souls 3 c'est quand même un... Enfin moi j'adore ce genre de jeu qui te happe non pas parce que par l'histoire mais vraiment par le... La construction du monde, c'est même pas tant le gameplay Dark Souls qui est incroyable, c'est vraiment le monde où tu avances et petit à petit tu découvres, ah oui tu peux passer par là, d'accord, et là il y a un boss, ok, waouh, il est dur, ok, tu finis par le passer, t'es content. Oh, j'ai perdu un missile pour rien. Et d'ailleurs, oula, c'était proche. Non mais je gère, ne t'inquiète pas, je gère. Mais ouais, du coup. Je sais pas si t'as la même image que moi, mais on a tellement l'impression que t'es en train de pisser des. Vu ta position, on a l'impression que t'es en train de pisser des balles en fait. Ah ouais, c'est vrai que ça fait un peu liquide. Oh là là. Mais ouais, et du coup, moi je trouve que Dark Souls 3, tu peux un peu le comparer justement, je t'en parlais tout à l'heure, là, au premier Resident Evil, bah, notamment les remakes et tout, là, cette espèce de construction du monde où tu. Enfin, c'est un petit monde là, par exemple dans le 1 c'est un manoir tu vois, mais ce truc où tu te déplaces, t'as des portes fermées, tu comprends pas trop, et plus tu avances, plus tu repasses au même endroit, plus tu comprends comment l'architecture est faite, enfin le level design, et je sais pas, j'adore ça moi en fait, ça, après au début c'est l'endroit il est pas familier tu vois, t'es pas bien dedans, et puis bah au bout d'un moment limite, ça... Oula, on est en train de se faire éclater le cul là, ouais. Adieu. Ah c'était nous ça, merde. Oui, j'ai vu la barre de vie, elle a fondu, on a dû se prendre un truc là. Ah mais je cherchais justement où était la barre de vie de l'hélicoptère, j'ai pas trouvé. Elle était en bas à droite, enfin moi je la voyais en bas à droite. Ah ouais merde j'ai pas fait gaffe. Ah bah oui, ah d'accord, oui. Ah, oh putain ouais ok, ouais. C'est moche. Mais ils nous remettent les missiles, bah c'est pratique ça.
Il est... C'est un peu dur de viser au long... Ah, je l'ai eu. Allez, fais-lui pipi dessus. Maman, je l'assaisonne au missile. Et un petit dernier. Hop. Oui. Enfin, il est solé dessus, là, hein, par contre. Ah oui, d'accord. C'est avec ça qu'il nous a laté tout à l'heure. Hein. Voilà. J'ai joué au 3, j'adorais l'ambiance et la cohérence des monstres, mais c'est trop long. Ah ouais, bah après... les jeux longs, ça devient de plus en plus compliqué pour moi aussi, j'avoue. Genre les RPG japonais, bon toi je sais que t'aimes pas trop Tonyob les RPG jap. C'est ça. Mais du coup, moi qui adore ça, franchement faut vraiment que j'ai une énorme motivation pour en faire un maintenant quoi. Enfin, bah, genre Final Fantasy Remake, voilà, j'étais très motivé évidemment. Mais là il y a même un nouveau Final Fantasy, je suis pas sûr que j'ai une énorme motivation quoi. Il est mort. Ah, il saigne du cul comme on dit. Faites-vous opérer des hémorroïdes. Hein, Ouais. Bah bon, gardez pas ça, ça fait mal. Hein. Ah mais t'as vu l'espèce de... Mais what the frack? Attends. Mais il y a eu un saut dans le temps là. Attends, je comprends rien. Ça c'est l'espèce c'est l'antagoniste. C'est celui qu'on a combattu sur le train là. Bah oui mais... Là attends, on est où là? Ah, on est dans l'arène avec le camion citerne. Eh, on va tout faire à l'hélicoptère, ça va être infernal. Au. C'est que personne t'entend, meuf. en même temps, le mec qui vient de gueuler, je suis pas sûr que... Elle est entendue en fait, avec le bruit de l'hélicoptère. Ouais. Vas-y, casse-lui la gueule. J'essaie de... Vu que je suis pas en face... Moi je suis un peu plus à droite, on va dire. Enfin, ouais, bah ouais, c'est chiant. Moi c'est pile dans mon angle mort, là. Merde. Oh merde, j'ai tiré trop tôt. Bon, c'est pas grave. Il est tout petit. Là tu vois, je peux pas lui tirer dessus. Voilà, là, c'est pas mal là. En fait, là où tu tires, c'est pile là où il y a la barre en métal dans le milieu, tu vois, de l'hélicoptère. C'est méga galère quoi. Ouais. Ah, ça c'est... Ça c'est moi en général, j'aime bien foncer sur... Mais ce qui aurait été trop marrant, c'est qu'ils arrivent... Oh, ouais, non, je sais pas, ça aurait été un peu compliqué. Mais par exemple, tu vois, on joue la première campagne Léon là, tu vois. Et après, quand on revoit le personnage, bah en fait, il fait ce qu'on a. C'est nous qui jouons en fait. Tu vois, ah, mais dans le passé. Ah oui, ça aurait été malin ça. Mais ça aurait été marrant, mais c'est dur à faire, je pense, parce qu'il a. Hop, il a essayé de faire un German Sub. Non, qu'est-ce qu'il a essayé de... Ah oui, mais c'est vrai. Oh, c'était un dino. C'était un dino. Bah oui. Attention, dino danger. Par contre, tu tires plus là. C'est quoi la chanson déjà là? Ouais, c'était attention, dino danger, ouais. Merde. Oh, attention, dino danger. Merde. Cherchez attention dino danger sur internet, hein. La musique est libre en plus. C'est pas tant que vous ne comprenez pas plus ce qu'il se passe. Non mais surtout qu'on fait des longues pauses en vrai, hein. C'est pas très compliqué. C'est juste que bah ils croisent les timelines, mais bah là je peux tirer un peu éventuellement, ouais. Ils croisent les timelines, mais c'est pas pertinent. Je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt à le faire en fait. On découvre pas plus quasiment de morceaux de l'histoire. Donc ouais, je sais pas, c'est pas... Ah, une... Vas-y là, attends, tu peux... Ah, non, je peux pas bouger, ouais, je peux pas bouger là, celle qui... Ah ouais. Je suis sur un rail shooter là, tu vois. Oh, c'est... Et ah. Si on finit... Oh. On a eu le même, non? Ouais, on a eu le même, ouais. Oh merde! Quoi? Non mais c'était... Ouais, c'est scripté, non, c'est scripté ça, y avait eu? Non, oui, je sais oui, plus. Ah oui. Bah ils sont morts on dirait. Ah non, c'est bon. Je rêve de tirer sur les canons citernes et je ne peux pas parce que le viseur est juste un peu trop. Mais ouais, s'ils avaient voulu faire une... Ils auraient pu faire une bonne histoire... Ah yes! Bah ça marche pas. Ouais, je t'ai mis dessus, mais. Ah, je peux bouger maintenant.
Alors là, regardez, hop, je joue d'une main, hein, c'est... Putain, je suis obligé d'avoir les deux, moi. Ah ! Heureusement qu'il y avait le poteau. Il est par terre, l'autre il va lui faire un petit jar. Voilà. Vas-y, je tire en même temps, on sait jamais. Alors sinon, ça va vous? Ah là là, on s'amuse hein. Mais j'ai... En plus, la posture qu'il a, le mec, on dirait avant qu'il est en train de faire des super pipis quoi. Ouais, non mais. C'est trop drôle. Il a vraiment les bras un peu. Tu vois, un peu. Bah, un peu comme toi, forcément. Je dois... D'ailleurs, ton manche à balai. Ah non, il est. Je croyais que ton manche à balai il flottait dans le vide, mais non, en fait. Ça... Aujourd'hui. Oh, ça fait des impacts sur le mur. Enfin, sur le pilier. Ah ouais? Oh! Putain, la gestion de la physique, vas-y, quoi. Attends, je vais essayer de faire une bite. Non! Oh merde! Oh le salaud! Ah oh, le salaud de dinosaure là! Je m'y suis pris trop. Alors, tard! Tu peux utiliser de bite tranquille? Pardon, de bite! De. Non mais moi je fais ma propre censure, tu vois. Ah, j'imagine que patatar, oui, effectivement, les hémorroïdes, hein, ça doit limiter beaucoup de choses dans la vie. Hein. Ouais, il y a pire quand même. Hein. Ah! Il a ouvert sa bouche. Pouvez-vous démolir le pied? Bah non, parce que je pense qu'en plus c'est le pied central. Genre, si cassé, ça serait. Il est en train de se faire croquer là? Non. Je sais pas. J'ai plus de missiles. C'était le plus marrant. C'est le seul truc marrant. Mais est-ce qu'on vraiment je fais des dégâts là ou... Oui, oui, parce qu'on entend les impacts dans le dino, alors... Ah, mais là, je l'ai... Il a plus... là, techniquement, avec tout ce que je lui ai mis, il a plus de balles dans son corps que de matière organique, tu vois. Enfin, oui, mais il se... Voilà, il nous veut, là, je crois qu'il veut nous... Il se régénère. Allez, pour toi, Gigit, j'essaie de couper le pilier. Mais non. Attendez. Non. Ah, vas-y, on fait une... Voilà. Et comme vous voyez, c'est merde. Très efficace. Oh, ah. Prends feu. Ah non, c'est bon. Oh, je l'ai touché. Et moi, je peux même pas contrôler. En fait, c'est vraiment. En fait, normalement, ça, tout seul, ça doit être plus marrant, je pense. Ouais, bah oui, je pense, ouais. Mais là, en fait, moi, c'est galère parce que je contrôle. Ouais, l'hélicoptère plus le. Tiens, regarde ça, on va faire péter. Hop là. Quoi? Vu ce qu'on a pris? Ouais, mais ça fait pas de dégâts quasiment. C'est long, non? Oui. Mais en fait, je viens de me rendre compte d'un truc très con. Oui. Comme tu gères le viseur, moi j'ai juste à appuyer sur R2. Bah oui. Enfin, sur, vraiment là, regardez, attendez, je vais tenter de faire une manip en direct. Ah! Ah! Ah, mince! Merde, oh, on va pas voir la manip. Vous voyez, je voulais bloquer la touche pour jouer sans les mains. Il aime très soft et pourtant avec mon stress et mes 2 heures de bus par jour pendant 2 ans et demi, ça m'a bouffé le moral. Oui, être assis pendant 1 heure le matin avec plein de gens autour et toi quand ça chauffe dans le dessous et que c'est accentué par le stress, ça fait... Oh là, oh là, ouais, effectivement. Le petit coussin boué, le petit coussin boué canard. Et plus oser de faire crac crac, bah c'est à ça que je faisais allusion hein, en disant que ça pouvait limiter dans certains trucs de la vie quotidienne. Quoi. Je vais me chercher de l'eau, mais toute l'astuce c'est de pas se montrer trop à la caméra parce que sachez que je stream en caleçon. Tout nu. Ah, en caleçon. Non, je quand même. J'aime pas trop. Non, mais il fait 35 degrés à Lyon là, autant vous dire que. Oh là, c'est encore reparti. En fait, on va faire toutes les phases en hélicoptère. Putain, non mais la phase la plus relou du monde, quoi. T'as des nouveaux missiles, hein. N'hésite pas, hein. Ah bah, ah d'accord. C'est quoi? En plus, c'est des gens normaux, ça. Quoi? Ça, c'est des gens normaux, on s'en fout. Pourquoi on sauve les gens normaux, là? Viens, Gigit, hein, tu peux venir sur mon street, là. Oui, c'est des gens, bah, ils vont bientôt devenir des...
Tiens, ouais, vas-y, je leur tire un missile dessus. Non mais elle disait qu'elle passait sur ton stream parce que tu streamais à poil quoi. Ah oui, j'avais pas. Ouais, mais il faut imaginer, tu vois, moi je suis pas. Malheureusement, je. Ah oui, c'est là qu'il va y avoir le truc avec les. D'accord. Cette espèce de truc nul là où il faut. Mais non, on s'occupe de quoi là? C'est quoi ça? Je sais pas. C'est de pire en pire. J'avais compris, mais le pire ça restait le stress et l'angoisse. Que ça... Oui, non, mais voilà, c'est. Je comprends bien que ça doit pas être évident. Ça pour remettre tes caleçons. Ah bah oui, mais c'est. Tu vois, c'est le début d'une longue campagne de communication. Je sais pas comment je pourrais appeler ça les. Allez, trouvons un nom d'entreprise qui vend les caleçons des garçons un peu passé l'été, tu vois. Genre. C'est très spécifique, c'est des caleçons. Shorty, ça passe en vrai. D'hommes et l'été. Il faut les buter ou pas hein? Bah, ah mais oui c'est d'accord, il faut buter tout le monde en fait. Je m'étais concentré sur les gros en fait mais pas du tout. Ça va, t'appuies bien sur le bouton? Ça se passe bien? Ah bah oui, attends, bouge pas. Je sais pas comment je pourrais le caler. Ah le mec il a même pu jouer quoi. Attends, il me faut du scotch. Bah je dirais pas que je suis en train de jouer, je dirais que je suis en train de. Il y a. Ah, ça y est, on va descendre. Ah, enfin, yes. Patatarte qui nous dit faut pas rigoler avec la vente de caleçon, j'hésitais à le faire pendant longtemps. Ah oui? Ah, il y a Gegit qui dit tu voudrais faire une campagne de communicaleçon? Communicaleçon. Boxer. 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 Pourquoi on a des. Alors. C'est moi qui ai balancé les rires. Ah, moi je les entends pas, hein, tu sais. Ah merde. Mais putain, faut vraiment que je regarde pourquoi ça. Il y en a un sur deux qui marche, quoi. Mais pourquoi on a plein de balles partout, là? C'est bah, c'est les soldats qu'on vient de tuer. Ils étaient criblés de balles. Ah, mais oui. Mais oui, t'as raison. Ah, des fois, je suis un peu mauvaise langue, hein, quand même. Hein. Comment on fait les coups de schlasse déjà? C'est le. Ah, le schlasse, je sais plus. Je me rappelle des coups de pied. Ah mais non mais je suis con, je me suis cru dans les Anteville 4. Il y a une caisse là. Je peux pas l'ouvrir, moi je suis un débilos. Hein? Oh merde. Ouais. Là il y a une caisse, mais tu sais moi avec mon perso... Je vois bien le mec qui est devant, je sais pas ouvrir la caisse. Donne-moi. Je vais t'appeler maman. Maman. Oh. Je t'appelle maman. Maman ou la caisse? Regarde mon petit. Je peux quand même... ce qui est marrant, c'est que je peux quand même prendre ce qu'il y a à l'intérieur. C'est quoi? Je peux rien prendre moi. Mais elle prend rien? Bah elle est. Ah mais il y a des carreaux d'arbalète. Mais... Non attends, faut que je vire des trucs en fait. Munitions. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Je sais pas. Ah bah voilà, bah, Patatart il a déjà réfléchi au modèle. Modèle économique. Comment on appelle... Modèle économique, voilà. Ah, tu sais, tu peux. Moi, je dirais non. Il faut que ça soit simple, proche du peuple. T'achètes les 20 boxers à 5 euros là. Puis voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que c'est pas par là que partir? Ah, bah attends, il y a une flèche là-bas, regarde. Une poutre. Il faut aller sur la poutre. Alors, elle est un peu loin la poutre. Mais non, elle est pas très loin la poutre, regarde. J'ai mon. J'ai mon, grappier, ah oui, bah... j'ai mon grappin qui te téléporte. Non, j'imagine que tu me. Tu sais, tu me portes dans tes bras. Ah oui, mais c'est vénère. T'as pas intérêt à te rater. Pas besoin de qualité, justement, truc en coton, immersion avec le quotidien de l'autre. T'imagines le truc enlevé, bah oui, posé également sur le sol, la salle de bain, quoi. Oh là là. Oh de la bœuf. Merde, je peux pas la porter la bœuf. Attends, qu'est-ce que je vais virer? Je sais pas. Il y a des morts là, mais ils sont... Ah mais non, oh, c'est limite triste en fait. Bon, à part si ce... Enfin malheureusement ce regard, attendez. Comment je... Ah voilà, faut que je me couche à côté pour regarder.
Alors c'est dur. Hein. Alors, attendez. Hop. Non, pas comme ça. Non, ou alors je regarde avec ça, c'est marrant. Allez, tiens, ah non, ouais, je m'amuse. je sais. Moi, je parti pooper. Voilà, hop, hop, hop. Voilà, on s'amuse pas. On s'amuse pas dans le jeu, c'est interdit. Le jeu a dit. J'imagine un bonhomme qui sourit, tu sais, avec une manette à la main qui a l'air trop heureux. Un peu simplifié, tu vois, puis avec un gros rond rouge barré, puis genre fun not allowed. Ah ouais, non, mais carrément. Ah oui, c'est vrai. La fameuse phase. Ah, bah, c'est la fin, quoi. Mais on a, ouais, on a skip. Genre, eux, ils ont, on a mis 6 heures à faire la campagne Léon, là, et elle, elle arrive en 5 minutes, elle voit tout, quoi. Leon, ever the survivor. Arrête, t'es contente. Oh well. No rest for the weary. On comprend toujours pas pourquoi elle est là, hein. C'est vrai. En même temps, j'ai pas compris le reste non plus, alors... Non, mais y a rien à... En fait, y a rien à comprendre, hein, au cas où... mais ouais, alors, Ah, moi j'étais déjà là. Bah ouais. Quel nom on pourrait donner à ce... Ah mais il nous crache dessus, quoi. Il nous crache toutes les balles qu'on lui a balancées tout à l'heure, en fait. Salaud. Ouais. Ah bah c'est mal fini, là. Ah non, c'est bon. Normal. Ok. Ah oui, mais c'est nous qui nous le tapons du coup. On se retape le même boss, hein. Attention les... Moi, je mais ça tombe bien parce que moi j'ai été tout le temps au loin. J'avais pas vu, tu sais, j'étais resté au loin sur ce boss là. Ah oui. Je suis content de le voir de près du coup. Ah mais je peux tirer un jour et de m'en prendre plein la gueule direct. Ah oui, bah moi aussi, hein. C'est genre il vomit dessus. Par terre, ça va, tu te sens bien? Bah tu sais, bien que les ennemis ne te ne te lock pas quand tu es par terre. Ouais, c'est ta croyance, ça. Hein. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont quand même foutu. Ils ont dit, tiens, on va quand même mettre un petit zombard là. C'est genre, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Histoire de. Je charge. Oh, quel héros! C'est moi le héros de l'histoire en fait, c'est pas toi. Hein. Eh, j'ai bien fait en même temps parce que je me suis pas fait charger. Ah non, il m'en veut qu'à moi. Même. Il m'a lessivé une ou deux fois quand même. Hein. Mais il faut de tout pour tout le monde. Si certains ont besoin de ça pour décoller, bah hein, ça fait pas de mal. Ah non, bah voilà. Tant que c'est tout le monde est consentant, tout ça. On rigole de nous le faire, mais moi j'ai aucun souci avec le. Ça s'apparente presque à du travail du sexe. C'est ok, hein. Bah tout ça. Moi je veux dire, tant qu'il y a des... Tu peux proposer ce que tu veux, mais tant qu'il y a des gens pour acheter, bah, je vois pas pourquoi on se plaindrait. Quoi. Enfin, pourquoi il y a des gens qui se plaignent, tu vois. Ah, ça c'est pour moi, c'est mon heure. Moi je peux même pas faire... Ah si, yes. Boum. Oh là là. Ah, je te savate. Et je te savate. J'ai pensé à la même chose. Sérieux? Ah ouais, ouais, au moment où tu dis je te savate, j'ai pensé à ce truc là quoi. Mais je crois que c'est le rythme avec ouais. Lequel je l'ai dit, avec lequel je l'ai dit en fait. Exactement. Et nous savatons. Oh, j'ai déjà chaud mec. Ça. Allez, pour 10 subs, j'enlève le t-shirt. Et il se fait ban de Twitch. Non mais j'enlève le t-shirt mais dessous j'ai peut-être un autre t-shirt. Ah là là, ça y est, il connaît les bons bails. Il sait comment arnaquer ses viewers. Imagine t'as un t-shirt en forme de... Tu sais, un t-shirt peau. Ah. T'as ta tarte qui est déjà sur le coup, voilà. Alors je prends des vrais subs hein, évidemment, pas des subs... Pas des messages, pas des messages qui disent que tu me donnes des subs quoi. C'est ça. J'allais leur tirer dessus mais non, il faut pas en fait. Non, évidemment, je sais que si vous me donnez des subs, c'est pour rien donner en échange. Ah, ils donnent des proutes maintenant, du coup, pas de tarte. Eh ben, écoute, j'ai vu un reportage sur une travailleuse du sexe en webcam qui... En gros, elle attire les gens qui ont un kink pour les paix. Non. Si, je te jure. Et en fait, elle bouffe plein de trucs qui lui donnent des gaz, tu vois. Ouais.
Et du coup, bah, elle a des gaz à 24, quoi. Et puis, bah, après, elle fait des séances privées, tu vois. Enfin, des petits. Ah merde. On a tué Léon là, non? Ah non, il revient quand même. Et ouais, du coup, t'as des mecs qui. Mais elle gagne. En fait, elle gagne ultra bien sa vie. Putain, c'est. Ah, moi, je fais ça aussi. Mais... Après, ils doivent pas être 500, tu vois. Mais je pense que c'est des gens qui reviennent oui. régulièrement et qui donnent beaucoup d'argent. C'est des baleines. Exact. Mais ouais, je trouve ça assez, assez fou, quoi. Il y a vraiment tout dans ce monde. Et... Non, dans ta tête. Oh là là, patatarte qui a les bons bails. Pour faire des proutes, il y a plus simple. Tu prends ta poire à lavement et tu oublies de mettre de l'eau dedans. Quel génie. Ah bah écoute, je note pour ma carrière de farteur. mon petit nom, ça sera Fartman. Putain, mais ah, mais j'ai pas vu, je suis en train de mourir là. Ah, tu meurs de quoi? Je meurs de décès. Tu meurs. Pourquoi tu meurs? Je sais pas, je crois que je me suis pris un mauvais. Je me suis tordu la cheville, je crois, à un moment et. Moi, j'ai jamais eu autant l'impression d'avoir zéro impact quand je tirais, c'est un truc de ouf. Là, tu vois, je t'ai dit avec un pote, on a fait le premier Resident Evil en remake là. Ouais. Et à un moment donné, tu chopes le fusil à pompe. Classique. Ah bah tiens, parlant de ça. Tu chopes le fusil à pompe et à un moment donné, bah tu vois, t'arrives à un endroit, t'as des monstres un peu qui te sautent dessus, tu vois. Et au moment où tu tires, et au moment où le monstre te saute dessus et que tu tires, t'as une impression, enfin vraiment, tu vois le monstre reculer, t'as un impact assez fort au niveau du bruit et tu vois vraiment le monstre voler un petit peu, tu vois. Ouais. Je me dis, mais c'est dingue le feedback que t'as vraiment avec cette arme. Alors que là, dans Resident Evil 6, qui est quand même censé être un plus, beaucoup, beaucoup plus récent, mais le feedback, c'est zéro. Là, je tire, il se passe rien. Vraiment, je pourrais tirer à côté, je pourrais... Tout à l'heure, je lui tirais dans la tête une balle de sniper. Je sais pas si t'as déjà vu la taille d'une balle de sniper. Bon, là, je l'ai tiré à côté, mais... Ouais, y a Luc qui est d'accord. Bam! J'ai pas une petite greu là? Moi j'ai même pas de greu. J'en avais une tout à l'heure. Attends, j'en ai une. Vite, allons lui casser la gueule. Le king shaming c'est mal. Ah oui, non mais. Là je. Comment dire? Il fait que rigoler? Je t'ai dit, hein, je rigolais parce que ça me fait rire les proutes, hein, mais ça c'est mon. C'est mon âge puéril. Mais surtout moi ce que je trouve c'est pas marrant, c'est juste incroyable la diversité des profils dans la, enfin voilà, il y a des gens ils vont se dire, ils se connectent le soir, ils disent j'ai envie de faire une cam avec Miss Fart et je vais payer 200 balles pour ça, quoi. Et ouais, je trouve ça fou, quoi. Mais c'est, en tout cas c'est cool pour elle, hein. Elle se fait plein d'argent. Oh, ça lui fait mal. C'est ça, tant que personne est forcé. Chacun. A priori il y a une vidéo qui tourne là d'un mec qui fait l'amour à un pot d'échappement aussi. J'ai vu ça aujourd'hui là. Mais je dis quand même que. Oula. Pourquoi ça fait mal? Il est pas mort là en vrai, il a fait une chute de 10 mètres. Ah, ok. Et après, il y avait le train après encore, non, je crois. Non, le train c'était avant. Non? C'est après? Et justement, il brûle, on s'était dit, ça y est, il est mort. Et après, il revient sur le train, non? Ouais, ouais, bah ok. Bah, je crois. Hein. Je connais pas les miens. Hein. Le mécanophile, c'est pas nouveau. Le dictionnaire du petit fétichiste. Ah, ça c'est un bon nom ça. Illustré. Ah merde. Bah nous non plus. Hein. Ah oui, son fameux téléphone en forme de cul. le truc méga pratique pour mettre dans la poche. Ouais. Surtout des poches de filles. Oh. Elles ont encore des plus petites poches que nous. Mais peut-être que dans cette timeline, tu vois, dans cette réalité, les filles ont des poches énormes.
En forme de... Forme de cube. Forme de cube, voilà. Découvrez le Merde, du fin mot trou. de l'histoire. Ouh! Ça envoie du jour au bout du jour. Attends, parce que j'ai juste perdu ton chat. Voilà, tac, et c'est bon. Sorry. Ah, cube! J'avais pas compris cube. Oui, en forme de cube. Oula, alors là, on va avoir le fin mot de l'histoire, les gars et les filles. Attention. Hein. Ah, c'est la... c'est Ada, Evil Ada. Parce que je vous rappelle, il y avait une copie démoniaque. Ah, je peux bouger. Ah, je peux bouger, j'avais pas fait gaffe. Ouais, mais c'était intéressant de regarder quand même. Tu veux regarder? Bah attends, c'est le fin mot de l'histoire. Donc Ada était un cobaye, ok. Pourquoi c'est un diaporama et pas une vidéo? Ouais, limite, je trouve pas ça si relou, mais. Hein? Ouais, fallait quand même tout regarder. Hein. Mais du coup, c'est. Ouais, c'est Evil Ada hein, qui est. Toi, tu comprends rien. Elle va ressortir. Ah, donc on est dans Battlestar Ah, tu es toujours sur la série? Galactica là. Moi je l'ai fini, putain. Ah, mais comment elle est arrivée là? Elle a pris le train en scénarium. Et il l'a emmené directement ici. J'avais pas vu qu'elle était en talon. Talon aiguille, c'est sûr que c'est très pratique pour faire des cabrioles dans tous les sens et. Pour courir. Rien que pour courir. Donc là, ils sont en train d'essayer de nous émouvoir en mode. Elle met fin à. Oh, y a papa et maman derrière. Le téléphone à 3000 boules. De toute façon, il rentrait pas dans mes poches. Hein? Ah bah là, on a un autre quand même. Ah bah elle a un Nokia quand même. Oh non. Eh, me dites pas que c'est la fin. Bah si, c'est la fin. Hein. Ah, la vidéo nulle. En fait, on avait juste 30 minutes à faire. Non, on a... attends, attends. Si, si, c'est la fin. Attends, j'ai une nouvelle mission, blablabla, poète. Voilà! Ah merde! Bonne soirée à tous, j'espère que ça vous a plu. Allez, salut, hein! C'était chouette! Ah merde, les cons! Ah ouais, je pensais pas que ça serait si rapide. Et putain, et c'est là pour le coup, ouah, comment c'était nul, hein! Bah ouais, parce qu'on a fait que de l'hélicoptère, on a fait que l'hélicoptère en fait! Ah merde! Bon bah. Attention, hein. Désolé YouTube. Oh, le chat qui vient faire un bisou. Oh. Oh. Bon. Eh ben, on est bien. Hein. Eh ben, en fait, moi, je pense qu'on va pouvoir faire un autre jeu ce soir. Hein. Bah, on peut commencer A Way Out. Bah, franchement, il est installé. Pareil. Ouais, on peut faire. Pareil. Il est téléchargé et tout, donc. Bon, comment on passe la cinématique nulle là? Aïe 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 aïe. Ah, on peut pas passer la cinématique nulle? Si. Si, on peut. Rassure-toi, rassure-toi. Ah, j'ai eu peur, j'ai eu peur! Est-ce qu'on a un succès genre waouh, vous êtes allé jusqu'au bout? Ouais. De l'ombre à la lumière, la relève, en route pour la gloire.
Non, fin du chapitre 5. Attends. Mais non. Mais non, il y a eu le générique. Ouais, mais peut-être que justement c'est pour la blague. Non. C'est quoi ça, Dog Tag? Je regarde un petit peu. Ah, moi j'ai une cinématique. Hein. Ah bon? Là j'ai une cinématique qu'on n'a jamais eue. Hein. Oh. Attends, j'arrive. Vite! C'est pas le début du jeu ça? Ah non. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Diablo 2? Ouais. Alors il va y avoir un petit retour, mais ce que je suis en train de regarder. Bah, on dirait le 5. Ah, bah les pommes sont aussi grosses que le mobilier. Hein. Ah, j'avoue. Bon, après, j'ai déjà vu des pommes aussi grosses, hein, mais. Ben ouais, ok. Et c'est qui? On l'a vu le mec là? Non, on sait pas qui c'est. Non, on sait pas qui c'est. Bon, c'est plutôt une. C'est un homme, je dirais. Mais c'est pas le. Ah, c'est le fils d'Albert. Qui est devenu un sauveur. Ah. Jack. Allez! Pourquoi il avait un. Ok. C'est ri, c'est dit, c'est cul, c'est ridicule. Ouais. Eh bah, des bisous YouTube, j'espère que cette vidéo de 40 secondes t'a plu. C'était la fin. Enfin, oui!